Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour se faire affronter la pire pizza contre la meilleure pizza Uber Eats. Et vous n'allez pas être déçus, on va se péter le bide. Et je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par Y-Food, on va encore se péter le bide. Aujourd'hui, on a de la chance parce que dans les pizzas à Nice, il y a énormément de concurrence, énormément de choix, les loyers sont chers. On va se régaler, on va regarder tout de suite la pire et on en parlera après. C'est vraiment la pire notée sur Uber Eats. Et le problème, heureusement cette fois-ci, puisque la dernière fois, on avait vomi sur les sushis, ne se situe pas dans l'hygiène de tous les commentaires que j'ai vus. Vous allez voir que la pire n'est peut-être pas si pire que ça, le problème est ailleurs. Mais les gens en parlaient, ils ont noté. Ils se disent italiens, mais les pizzas sont loin d'être italiennes. Ni bonnes, pâte épaisse et pas trop de goût, de la bouffe de chèque de resto sans plus. Pizza en livraison, une margarita, une végétarienne, forme ovale, peu importe, toutes deux ridiculement petites, ingrédients sur la végétarienne presque inexistants. On se fout du monde à 24€ les deux, on pourrait s'attendre à mieux, c'est la première fois, mais la dernière, je ne vous remercie pas. L'apéritivo dure une demi-heure, la nourriture est rationnée, nous sommes restés dîner et la pizza 4 fromages était insipide. La salade avec de la mozza burrata était en fait des petites billes de mozza à 1€, vraiment très déçu. Une catastrophe, les pizzas ne sont pas bonnes, peu pourvues en ingrédients, la sauce tomate n'est qu'une lamentable pellicule sans parfum, des cocktails a été allongés à l'eau, l'accueil est lamentable, une serveuse peu aimable, d'autres qui se dandinent au rythme de la musique. Histoire d'avoir l'air faussement cool et vraiment prétentieux, un changement de gérant, est-ce la période touristique? Alors là, il y a quand même un peu d'aigritude dans ce commentaire. Je viens de commander via Uber Eats, c'est pour une pizza 13€, c'est du foutage de gueule, j'ai publié une photo pour appuyer mon propos, regardez-moi cette immondice. Une pâte toute détrempée, pas cuite, honte à vous de vendre des pizzas dans cet état à ce prix. La première et dernière fois, je ne manquerai pas d'en faire à tout mon entourage afin qu'il n'arrive pas à une mésaventure semblable. Honteux, je comprends, une pizza au saumon emportée, c'est juste du pain avec 4 petits bouts de saumon et presque rien comme fromage. C'était même pas bon, 14€ pour manger ça, quelle arnaque. Alors ça, c'est un Italien qui a commenté. Le pire restaurant italien de Nice, nourriture médiocre, des salades aux hamburgers et aux pizzas, la moitié du menu non disponible. Et surtout, mauvais service, je ne recommande pas de perdre votre temps ici compte tenu du vaste choix de bonnes adresses italiennes à Nice. Alors déjà, pour manger italien, même si on est italien, la meilleure pizza, je peux juste vous dire qu'elle est niçoise. Et j'en suis très fier d'être tombé sur elle. Je ne la connais pas, donc on va découvrir ça ensemble. J'ai juste vu les commentaires. On passe au meilleur, les yeux fermés. Si vous recherchez une pizza haut de gamme pour un prix très raisonnable, alors n'hésitez pas à réserver. Tout était parfait, les pizzas sont excellentes, les desserts délicieux, originaux, la pâte est incroyablement bonne. Aucune fausse note, un bel endroit vraiment magnifique. Le personnel est au petit soin et très sympathique, j'adore. Donc il y a tout qui va, la qualité, le rapport qualité-prix, le personnel. Super établissement, les pizzas sont un plaisir pour vos papilles gustatives, un service au top et un personnel de qualité, des produits de qualité et frais. J'ai passé une excellente soirée, je le recommande, les yeux fermés. Et oui, certains l'oublient trop souvent quand on va au resto. C'est pour se détendre, pour passer un bon moment. Pour se faire plaisir. Très bon accueil, le cadre est sympa, les pizzas sont variées, généreusement servies, les produits sont frais de qualité, les bières locales sont excellentes. Bière de Nice. Petit clin d'œil à la brune. Quant au dessert fait maison, un délice, petit clin d'œil au tiramisu à la figue. Petit clin d'œil. J'aime bien les clins d'œil. Meilleure pizza à la truffe que j'ai mangé. Pizza à la truffe. La pâte à pizza, une merveille, le service est top. Endroit agréable. Ils ont des pizzas à la truffe. On va goûter ça. Des pizzas excellentes, les meilleures que j'ai pu goûter dans la région, des produits frais de qualité, un cadre sympa, un personnel accueillant et un patron professionnel et souriant. Excellente pizza, copieuse et appétissante, une explosion de goût à découvrir. Absolument. Un petit dernier pour la route. Meilleure pizza de Nice, produit frais, originalité, service agréable, joli cadre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont la totale, c'est la meilleure note, les amis, de Uber Eats. Il y a plusieurs pizzas qui sont bien notées, mais eux, en comparant à Google, c'est les meilleurs des meilleurs. Ça va être incroyable parce que j'ai jamais vu ça. Plusieurs centaines de commentaires et 5 étoiles sur Google. C'est un truc qui est mathématiquement impossible. Et pourtant, ça l'est. Et c'est à Nice. Et mis en bouche, les amis, je vous présente les amis Y-Food. Voici, les amis, le pack découverte Y-Food pour tester tous les goûts les plus populaires. On va prendre coco. Qu'est-ce que Y-Food, si vous ne connaissez pas encore, c'est une boisson qui est faite pour remplacer un repas quand vous n'avez pas le temps et qui permet de manger équilibré, puisque vous pouvez voir Nutri-Score A. Tout est pensé pour vous amener tous les bienfaits d'un repas équilibré et sain, avec 26 vitamines et minéraux, sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté. C'est riche en fibres et en protéines. Ça remplace un repas et permet d'être calé jusqu'à 6 heures. Bon appétit soif. Ah, j'avais soif et faim. C'est très bon, moi j'aime beaucoup le coco, il est vachement rafraîchissant. Et le tout dans un emballage, les amis, climatiquement neutre. Dans le pack découverte, vous avez du chocolat, vanille, le coco, happy banana et café. C'est très pratique, ça se range dans un sac, ça ne se conserve pas au frigo, sauf bien sûr si vous l'avez ouvert et que vous voulez le finir plus tard. C'est facilement stockable, ceux-là vont jusqu'en octobre 2023. Et surtout, avant toute chose, en dehors des propriétés, c'est que c'est bon. Si vous voulez tester, vous avez 10% sur le pack découverte avec le code P1YouTube. Ça permet de soutenir la chaîne, ça fait aussi un petit cadeau original.
pour Noël, si vous connaissez des gens qui mangent pas très sainement, ou pour vous-même, je vous mets tous les liens dans la description. Faites-vous plaisir avant tout, et bon appétit soif à tous. Allez, je commande, on va essayer de comparer des classiques. Je regarde ce qu'il y a un peu. Alors, je commence à comprendre plein de trucs en rapport à des commentaires, parce que moi, j'en ai lu plein aussi, des mauvais, d'autres mauvais. On est sur du 15€ la pire pizza. 15-16€, c'est très cher pour de la pire pizza. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les photos font pas envie, et la pizza a pas l'air très grosse. Donc, je pense que c'est très cher et qu'il y a pas beaucoup à manger. Pourtant, les ingrédients ont l'air de qualité. On va prendre un classique, ma préférée, du coup, la reine. On va prendre une 4 fromages. Alors là, c'est une 3 fromages. Du coup, 3 fromages. Et une pizza un peu spéciale. Qu'est-ce qu'on a? Il y a la pizza mozza bufana. Hop! Sur la meilleure. Alors, on est sur des ingrédients aussi de qualité. Il y a de l'AOP, etc. Rennes, on a une 4 fromages cette fois. Les prix sont les mêmes. Alors là, ça va être intéressant. Et on va prendre la truffe qui est un peu plus chère. Oh, la truffe, elle est magnifique. En spécial. Et en plus, il y a de la mozza. C'est parfait. Alors, sachez que les deux commandes, on en a pour le même prix à 1€ d'écart. Donc, c'est intéressant cette comparaison. On va comprendre vraiment ce qui va pas dans le pire. Et j'ai pas vu d'intoxication alimentaire. Du coup, je suis content cette fois. Et c'est reçu le pire et le meilleur. Alors, déjà. Waouh. Oui, j'ai l'air d'un con. Je dirais qu'on a 50% de poids en plus, déjà au même prix dans la meilleure par rapport à l'autre. Donc c'est qu'elle doit être vraiment petite. Ça sent la truffe de ouf. C'est vraiment de ouf. Elle est là. On va regarder les visuels. On commence par la reine. Alors déjà, il y a un problème, les gars. Un problème. Attendez, elle est là. La pire, la meilleure. Attention, reine. Hop. Alors effectivement, il y a un problème de quantité. Alors elle a pas l'air si moche que ça, sachant que la reine de la meilleure est moins chère que la reine de la pire, parce qu'on a pris une pizza très chère à 18€, une spécialité à la truffe, et qu'on a atteint le même prix finalement au total sur les 3 pizzas. Si vous êtes bon en maths. Bon, ça me rassure, puisque le problème est assez facilement identifiable, c'est que c'est cher, on en a pas pour notre argent, et on a encore faim. En fait, c'est très très simple. On peut vous le dire juste en regardant la pizza. La qualité a l'air assez bonne. On va regarder, du coup, ça c'est la spéciale. La pire, 3 fromages. La meilleure, du coup, 4 fromage. Attention, c'est parti. Ok, alors déjà, je crois qu'il y a du foutage de gueule. Donc ça, les gars, c'est une 3 fromages. On dirait une marguerite. Pourtant, on voit bien qu'il y a du bleu. Et... ouais, ok, ils sont rats, chou. Ah là là, je vous avoue qu'à 15€, la 3 fromages comme ça, je tape un scandale. Je comprends que les gens soient déçus. Faut savoir que moi, j'ai compris le truc. Ils sont pas forcément mal notés sur d'autres choses, mais c'est les pizzas qui les tuent, parce que on est sur une clientèle de restaurants, donc peut-être pas des mauvaises pizzas, à touristes. Voilà, très simple. Donc, pizza chère, pas beaucoup. Et les pizzas spéciales. Du coup, mozza et truffe, on va regarder ça. La pire, la meilleure, attention. Oh, la truffe, qu'est-ce qu'elle sent. C'est incroyable. Bon, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, c'est que la pizza, elle devrait faire le double de la taille, normalement. Mais ça a l'air, n'empêche, très très bon. Allez, la pire, on va la découper. Alors, l'odeur est très belle, l'aspect, je trouve ça plutôt beau, honnêtement. On va la goûter. Le problème vient du prix, on a l'impression de se faire avoir. Et la meilleure, alors par contre, si, il y a quand même l'odeur, c'est l'origan et le jambon. Ça sent vraiment très très bon, elle est magnifique. Regardez-moi ça, incroyable. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis. Elle est bien garnie. Allez, à table, on commence par goûter et déguster la pire, les amis. Oui, ça c'est la pire à Nice sur Uber Eats. Ça confirme ce que je vous disais au début. En fait, à Nice, il y a tellement de concurrence avec les pizzas. En plus, on est proche de l'Italie. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les Italiens qui font forcément les meilleures pizzas. C'est très très cliché, ça. Beaucoup d'Italiens qui font de très mauvaises pizzas aussi et qui ne sont pas habitués aux pizzas qu'on fait en France. Ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de qualité à Nice parce qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence. Et donc, les loyers sont tellement chers, la concurrence est tellement forte sur les pizzas que, contrairement à Montpellier, parce que j'ai vécu à Montpellier, j'ai pas trouvé une seule bonne pizza sur Uber Eats. C'était affreux et c'était pire que ça. La pire de Uber à Nice, elle est mieux que la moyenne dans d'autres villes. Je vais goûter les champignons, on a des gros champignons. Franchement, il n'y a rien à dire, même les champignons, c'est des champignons frais. Goûtons. Elle est très bonne. Je suis désolé de dire ça. Bon, j'avais faim. Au niveau de la qualité de la nourriture, du goût, elle est vraiment bonne. Mais c'est très simple, on est sur une clientèle Uber. Donc la clientèle Uber, c'est un restaurant. C'est pas fait pour ça, c'est une clientèle très fast-food. Ici, t'es en restaurant, dans un cadre. 15€ cette pizza, t'as faim. Le cadre est beau, si les gens sont sympas, ça passe. Et je pense que c'est pour ça qu'ils font, surtout sur les touristes qui mangent jamais de pizza. Mais il n'empêche qu'elles sont bonnes. En Uber, c'est que t'as la flemme. Donc tu veux un truc pour manger bien gras. C'est pas la même clientèle. Tu commandes ça 15€, déjà que c'est plus cher avec la livraison. Là, c'est 15€, c'est juste le prix de la pizza. Tu rages, tu manges une pizza, t'as trop faim. Mais je vais pas être malhonnête, elles sont très bonnes. La meilleure. La meilleure qui est moins chère, du coup de 2€, qui est deux fois plus grosse. Très très belle aussi. Vous allez être surpris. Je m'y attendais tellement pas. La pâte, les amis, elle est juste incroyable.
incroyable. Je reste sur le cul, je comprends pourquoi elle est meilleure, c'est la pâte qui fait tout. En fait, la pâte est molle, mais en même temps croustillante. J'ai jamais vu ça dans une pizza. Oh, elle est incroyable. La pire est bonne, mais la pâte, elle est grosse, elle est dure. Elle est basique, quoi, celle-là. Elle a... Ah, putain. Oh là là. Alors, c'est con parce qu'on dirait pas visuellement. Regardez l'épaisseur de la pâte. Je vous jure, c'est un truc, c'est incroyable. Moi, j'ai mes habitudes en pizza, mais ils font pas Uber, malheureusement, donc... Dans un resto au feu de bois, notamment, elle est... C'est incroyable. Alors, je reste sur le cul. C'est marrant parce que visuellement, bon, on se dit elle est bonne, mais on s'attend pas... Avoir une pâte aussi douce, extra fine. On sent que c'est fait maison, que c'est vraiment de la pâte maison. Voilà, là on a un vrai pizzaiolo, hein, ce qui est de plus en plus rare, mais je peux vous dire qu'on a un vrai pizzaiolo. Il y a trois pizzas, faut que j'arrête. Je retape un croc dans la pire pour voir la différence. La pire, c'est la pâte, est rien à voir. Par contre, ils ont une sauce tomate, elle est vraiment... très très bonne. Je suis content. Pour une fois, on va bien manger. Dans le meilleur et dans le pire. Ouais, je regoute cette pâte parce que j'en reviens pas, je vous jure. Bon bah les Niçois font des meilleures pizzas que les Italiens. Oh là là. Allez, on va passer à la pizza suivante. On passe à la pire, en trois fromages. Là, il faut le dire, c'est clairement du foutage de gueule. Hein. Ils sont pas très réguliers dans leur pizza. À 15€ la pizza, là c'est du pain quoi. C'est... Là ça va pas. Franchement, ça va pas. Donc voilà pourquoi il y a autant de mauvaises notes. Parce que autant tu reçois la reine, bon tu te dis c'est cher, mais là tu te dis on s'est vraiment foutu de ma gueule. Et la meilleure, la 4 fromages. Waouh, elle est belle. Hein. Vraiment, il y a des copeaux de parmesan énormes dessus. Ça va être incroyable. À Nice, on pique les ingrédients italiens et on fait des meilleures pizzas en plus. Et toujours cette pâte qui est vraiment, regardez, très très fine. Cette pâte est incroyable. Allez à table, on commence par la pire du coup. La 3 fromages qui ressemble à une marguerite. Ah, ils sont vraiment radins quand même en fromage. Hein. Non, là, c'est scandaleux. J'ai pas eu un bout de fromage. En fait, j'ai que de la pâte. Ça sent légèrement le bleu, mais... Non, ça va pas. Là, c'est scandaleux. Pour le prix. Je vous donne les prix exacts parce que... Bah, c'est ça. Rennes et 3 fromages, 15€ la pizza. Et chez le meilleur, la Rennes est à 14€. La 4 fromages est à 15€. Alors, on va croquer dans un endroit où il n'y a plus de fromage. La seule chose qui est dommage... Alors, elle est cramée. On dirait que c'est fait au feu de bois, mais en fait, non. Ça sent le four. Alors, autant la reine, je vous l'ai dit, honnêtement, elle était bonne. Autant celle-là... Non, la pâte a aucun goût et la pizza, alors paradoxalement, elle a aucun goût. Alors que la reine avait du goût, je pense que ça venait du jambon, qui était pas mauvais. C'est très gras et il n'y a pas de goût que l'on cherche dans une 4 fromages. Bah, vous voyez, je comprends absolument pas comment ils font pour qu'il y ait autant de différences de qualité sur... Sur deux pizzas, le fromage est pas top. Non. La meilleure, les amis. Voilà, alors la 4 fromages, elle est belle. Hein. Et elle est très très crémeuse, hein. Regardez-moi ça. J'avais vu une 4 fromages comme ça. Alors on est sur une base crème, on dirait, qui va faire plaisir à certains. Bon appétit à tous, avec des copeaux de parmesan. Font la taille de mon doigt. Encore une fois, c'est la pâte. Elle est fine, mais comme la pâte est extrêmement fine, en fait, ça fait un combo parfait. Très très bien dosé. Quand même, pour avoir 5 étoiles sur Google, je comprends. Mais, parce que je suis chiant, je sais que c'est pas évident, il manque qu'un truc. Mais vraiment qu'un truc. C'est très bon, en plus les fromages ont du goût. C'est la cuisson au feu de bois. Je ne mange pas, enfin, je vais tout souvent dans les mêmes endroits, mais des pizzas au feu de bois, je suis désolé. Et on avait parlé sur Twitter, il y avait des mecs qui m'ont dit, il n'y a pas de différence, c'est pas possible que vous ayez du goût pour dire ça, parce que la cuisson au feu de bois, elle est juste incroyable, ça sent légèrement le fumé. La pâte à pizza, elle est cuite différemment, avec une pâte à pizza comme ça, ce serait incroyable, mais vraiment incroyable. Dans un four à bois, les pizzas, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas évident en ville, hein, d'avoir un four à bois. Je me régale, et je peux vous dire que... Ça cale, comparé à l'autre. Parce qu'on voit pas trop la garniture, mais regardez l'épaisseur, ça c'est vraiment une belle pizza. Et la garniture est fine, mais elle est très lourde. Regardez cette élasticité, ça c'est de la pizza, vraiment c'est incroyable. Regardez-moi ça, le stretch. Le stretch est incroyable. Si on prend l'autre, vous voyez, le stretch est un peu raide. Vous voyez, il y a une cassure qui s'opère au milieu.
Bon. Mmh. Et ben voilà, j'irai manger. C'est trop bon les amis, vraiment trop bon. Je regoute la pire quand même pour jouer le jeu, mais... aucun goût, la seule truc bon c'est la sauce tomate. La pâte est très élastique, c'est-à-dire que quand tu mords, ça casse pas, il faut tirer. Il y a de la résistance, le fromage est absent et quand il est là, il n'y a pas de goût. On passe, les amis, aux pizzas spéciales. Dans la pire, on avait une pizza, les amis, qui est très belle, là on peut le dire. Jambon mozza avec de la pistache dessus, effritée. Et c'est la première fois dans les vidéos pires que j'ai hâte de goûter. Du pire, parce qu'elle a l'air bien, vraiment. Ah putain, par contre, la pâte, c'est du bois. Tu le vois, parce que quand la pizza refroidit, ça devient très très élastique. Et la pâte est pas top, quoi. Et la meilleure, la spéciale, attention. Mozza di Bufalana, de la truffe, jambon cru, c'est incroyable. Alors je peux vous dire que l'odeur, elle est complètement folle, vraiment. Oh là là, regardez-moi ça, c'est dingue, ça sent très très bon. Je la découpe doucement. Alors ça, attendez, faut que je goûte. Allez, on y va. Alors pourquoi il y avait aussi, pour préciser, beaucoup de pizzas de pas bonnes à Montpellier, moi je me rappelle, je vous l'ai déjà dit en plus, dans d'autres vidéos, en Uber en tout cas. Déjà parce que c'est très étudiant, donc il y a beaucoup de pizzas pas chères. Ça hausse pas la qualité. Là on est sur de la pizza quand même chère, un peu en mode restaurant. Et les loyers sont pas très chers, donc ça veut dire que si tu vends pas trop de pizza, tu peux quand même durer plus longtemps qu'à Nice. Allez, la pire, on va la goûter, elle a l'air très très bonne. Alors c'est de la mortadelle en fait. Ah, celle-ci est bien garnie. On peut dire, elle est lourde, elle est bonne. Il y a un problème. On est sur une pizza mortadelle pistache. Regardez en dessous, il n'y a absolument pas de fromage. Donc en fait, le fromage, c'est ça, là, le truc qui dégueule au bord de la pizza. Il y en a juste là. En fait, il n'y a pas d'ingrédients. Je suppose que la mortadelle, c'est pas très cher. Donc il y en a beaucoup, c'est bon, mais il n'y a pas de fromage. En fait, c'est juste mal dosé. On a l'impression de manger de la mortadelle sur un pain à l'huile d'olive. Je pense qu'ils ont pas forcément de la fosse du cuistot, mais je pense qu'ils ont, c'est un resto qui est en mode... où les marges sont définies strict, vous voyez ce que je veux dire? Et où ils font de bonnes marges, ou alors ils gèrent très mal. Je regarde le prix quand même, parce que c'était une pizza spéciale, elle valait plus cher. Et bah 16 euros la pizza, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Par rapport à la concurrence, hein, même si je sais que tous les prix augmentent, mais là quand même, bon, stop quoi. On passe à la meilleure, donc la spéciale à la truffe, elle était les amis à 18 euros. On a une pizza chère, mais c'est assumé avec la truffe, hein, vraiment, et on s'attend... avec de la roquette. Alors je dis des bêtises, c'est pas de la mozza de buffle, c'était une autre. Oh merde. C'est incroyablement bon. C'est très raffiné avec le jambon cru, les copeaux de parmesan. Je déteste la roquette dans les pizzas. Là, ça donne un goût de fraîcheur, mais vraiment. Hein. On sent en fait qu'il y a de l'intelligence et du travail derrière. Mais surtout de la recherche, que le dosage est assez précis d'ailleurs, on peut voir, hein, puisque les pizzas sont très bien faites. La seule critique, s'il y en a une, et c'est pour ça que c'était intelligent de mettre de la salade, c'est que... Oh merde! C'est une pizza qui est extrêmement grasse entre le parmesan, le fromage, le jambon cru. Du coup, la salade absorbe un peu le gras, mais waouh, c'est trop gras. Regardez, hein, vraiment, c'est vraiment extrêmement gras. Mais à part ça, c'est extrêmement bon. Mais vraiment extrêmement bon. Oh, j'en peux plus. Bilan de tout ceci, c'était très intéressant puisqu'on a eu un cas très très différent du pire kebab, du pire tacos, du pire sushi, où il y avait là beaucoup de problèmes d'hygiène en plus. Exemple qui nous montre qu'on peut avoir quand même des ingrédients de qualité et se taper la pire mauvaise note de beurre. Pourquoi? Parce que c'est trop cher et parce qu'on mange pas à sa faim en fait. C'est tout simplement simple et basique, et parce qu'on a des ingrédients de qualité, mais il faut les mettre aussi, parce qu'il y en a pas. Il y en a, mais il y en a pas assez. Donc si tu mets de la mozza de buffle et que tu mets deux crottes sur ta pizza, forcément il y a de la qualité. Mais c'est pas bon. En dehors de la reine, qui était la reine, je l'ai trouvée très bonne, par contre. Mais les autres...
faut tout revoir. Ce sont des pizzas qui, malheureusement, c'est triste, passent pour les touristes, passent parfois pour les Parisiens aussi qui viennent à Nice, ils disent « Waouh, on a mangé une vraie pizza italienne !» Je suis méchant. Mais à Nice, on a de très très bons pizzaiolos, on est pas loin de la frontière, et on a des pizzas plus adaptées déjà à nos goûts, peut-être qu'en Italie, je pense qu'ils ont pas tout à fait les mêmes pizzas. En tout cas, à chaque fois que moi j'ai mangé une pizza en Italie, elle était dégueulasse. J'ai pas eu de chance, mais c'est un cliché, on fait aussi de très mauvaises pizzas en Italie. Donc là, on est dans la pizza typique à touristes. Vraiment, deux restaurants, ce qui explique le prix, mais en fait, ça passe pas sur Uber, parce que sur Uber, c'est quoi? C'est du local. Donc ce sont des Niçois. Les Niçois ont l'habitude de manger des pizzas. Et même chez certains touristes, ça passe pas. Et du coup, sur la pire, ils ont vraiment la double peine, parce que c'est rare que je monte à 15 euros. Je vous avoue, sur Uber, c'est vraiment une pizza autour de 10, quoi. Je veux dire, c'est pizza fast-food, généralement. Là, tu te dis, j'ai envie d'une vraie bonne pizza, je prends une pizza à 15 euros. Chla ! Double peine dans les commentaires, du coup, parce que grosse déception. Dans un resto, c'est pas top, mais ça passerait s'il augmenterait d'un tiers, parce qu'il y a le cadre, il y a tout ça. Mais le même prix à la maison, ça passe pas. Voilà, en Uber. Je pense que vous regardez toutes les vidéos de comparaison Pierre-Meyer en Uber, vous pouvez ouvrir un resto. Je pense que vous êtes prêts. Voilà, après, ils ont peut-être de mauvais fournisseurs, mais c'est vrai qu'ils sont radins sur les ingrédients, il faut le dire. Et pourtant, j'aime pas dire du mal, hein, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même du travail, mais que le pizzaiolo est obligé de se retenir au niveau des ingrédients, vous voyez. C'est un peu bizarre. Enfin, une bonne vidéo du pire, en tout cas, où j'ai pas failli finir à l'hosto. Et n'oubliez pas, pour vous faire plaisir avant tout, moins 10% avec le code P1YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille de tester bien sûr le pack découverte. Sachez que ça existe aussi en bar, en version vegan. Et il y a aussi des goûts qui ne sont pas dans le pack découverte, qui sont en édition limitée. Ce sera plus équilibré qu'une pizza. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez avec des pizzas bien grasses pendant qu'il est encore temps. Et à bientôt, ciao!